tout le monde. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce qui est pas mal quand même, hein, pour pouvoir gagner un peu de liquide divinium, ce liquide un peu précieux et chiant à avoir. Donc déjà, en premier lieu, il faut aller manche 15. Hein. Bon, alors pas forcément pour la manche, mais surtout pour les points, en fait. Voilà, donc il faut aller manche 15, et puis après, bah, vous allez faire comme moi, vous achetez... les armes sur les murs et par contre peut-être que dans vos premières parties vous allez pas vraiment en gagner, par exemple dans la première, la deuxième, peut-être que vous allez pas vraiment gagner, en fait ça dépend parce que c'est assez aléatoire, mais il y a des fois où vous pouvez gagner beaucoup comme vous pouvez gagner super peu. Alors là je viens d'avoir le bubblegum, d'avoir les 7 atouts, ouais, donc j'ai essayé de l'avoir, j'ai réussi à l'avoir et bah, je voulais voir les atouts qu'il y avait sur la map en fait. Donc voilà, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 atouts. Ouais. Et du coup, ouais, donc on peut très bien avoir 0 zombies. Donc du coup, ouais, il faut vraiment paquer les zombies si vous voulez y arriver sur ce truc. Par contre, faites gaffe, si vous allez trop vite au niveau de... Bah pas là, non. Au niveau... Allez, va là-bas là. Au niveau d'ici, si vous arrivez trop vite ici, il y a des zombies qui spawnent ici. C'est super chiant, donc essayez vraiment de... d'aller le plus vite possible vers là-bas. Pas le plus vite possible, le moins possible, justement en essayant de rassembler les zombies le plus près et d'aller là-bas. Parce que sinon après ça spawn là-bas et puis vous faites niquer à tous les coups. Voilà, donc là dans cette partie j'ai gagné pas mal de liquid divinium. Il y a un moment j'avais gagné encore plus. Une dizaine de plus. Mais généralement, enfin des fois vous allez en gagner, par exemple, bah généralement j'ai fait, j'en ai gagné 0. Bon, c'est pratique. Mais du coup, vous pouvez aussi en gagner, par exemple, enfin, généralement, hein, c'est dans les 5, 10, 5, 10 bonbons. Enfin, 5, 10 liquides divinium. Et puis si vous êtes bon, puis après, je pense que plus on le fait d'affilée, mieux c'est. Enfin, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, ce liquide de merde, mais vraiment, c'est un peu chiant à voir. Mais vous pouvez gagner gros, quoi. Hein. Vous pouvez gagner une bonne dizaine si vous êtes bon pendant toute la manche, vous faites ça. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc... donc du coup, eh ben, ça va être pas mal ça. Vous allez voir, franchement, je vais vous, bah, je vais pas vous montrer parce que bah, j'ai pas pris en vidéo, mais je vais vous dire quelque chose après. Vous allez voir, c'est assez violent. Alors, là, des fois, on en gagne pas du tout quand on achète des armes, et puis des fois, on en gagne, je sais pas combien d'affilée, c'est hallucinant. Je sais pas comment ça fonctionne, j'aimerais bien savoir parce que franchement. D'avoir un système de chance assez extrême quand même. C'est assez bizarre. Ouais, ouais. Alors c'est bientôt la fin de la manche. Hein. Dans genre une ou deux minutes. Ouais bah voilà, il y a presque plus trop de zombies. Mais comme j'ai pu passer... Donc là je vide mes points, et puis après vu que j'ai plus de points, hop. Ah bah je tue les zombies. Là je fais des coups de couteau pour avoir juste assez à la fin. Donc ça au moins je pouvais prendre l'arme, et là bah j'ai rien. Ah donc du coup j'ai arrêté la partie, hein. Ça sert pas vraiment de continuer, enfin si ça peut servir peut-être, je peux vraiment tester. Mais bon perso moi... Je fais la première et 15e manche, et puis après, bah, je fais plus rien. Voilà, donc là, j'ai gagné 18 liquid divinium. À un moment, j'en ai gagné 29 carrément. Donc, c'est un peu gros, hein. C'est un peu aléatoire. Donc, du coup, voilà. C'est. Donc, du coup, là, je vous ouvre les 37 liquid divinium. Donc, pour avoir 37 boules. Et. Donc, là, je vous montre qu'est-ce que j'ai comme. Comme boule et bah après comme ça au moins vous verrez qu'est-ce que j'ai gagné tout simplement. Ouais donc j'ai presque toutes les boules de haute machin, hein, mais faut être niveau 26 ou 25 je crois pour tous les débloquer. Du coup plus vraiment grand chose à vous dire, c'est ouais, à part que cette astuce vraiment elle peut être pas mal, hein. Oui voilà, donc du coup
Moi là j'en suis à 100... 160 et quelques, je crois, un truc comme ça. Hier soir, ouais, je me suis fait ça un petit moment. J'en suis dans les 160 et quelques. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire, ça va être un petit peu long. Mais je vais essayer d'aller jusqu'au maximum, donc 999. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, très simple. Je vais les ouvrir devant vous. Ça va être bien long, je pense. Mais à mon avis, ça va être bien fun. J'allais jusqu'à 999. Ça va être pas mal. On va regarder le stock de bonbons que j'ai. Puis on va ouvrir à 999. Puis après, on va re-regarder le stock de bonbons. À mon avis, ça risque d'être épique. Hein. Oh putain. Alors là, il y a double récompense. Je sais pas si ça fonctionne pour de vrai. Parce que des fois, quand on a du liquide évidium comme là, eh ben on le gagne pas. J'avais 4, j'ai toujours 4. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est peut-être pour avoir plus de chance dans la partie d'en avoir. Je sais pas du tout. Voilà. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo. Et là, je vous montre les atouts que j'ai. Et du coup bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.